Les zones économiques spéciales de la République du Congo attirent beaucoup d'investisseurs étrangers. Pour preuve, le groupe français SEMA-CGM, spécialisé dans le transport maritime, entend investir dans ces zones économiques spéciales, ce pour développer leurs activités. Le vice-président de ce groupe s'est entretenu ce lundi avec le patron des zones économiques spéciales du Congo. Alain Akwala-Tipold et Denis Laure ont parlé sur les conditions de l'installation de cette zone. Nous voulons développer et étendre notre activité terrestre au Congo et pour ça s'appuyer sur des zones économiques spéciales, y développer des activités qui viendront en prolongement de notre activité primaire qui est le transport maritime. Donc nous sommes prêts à investir essentiellement dans des activités de dépôt sous douane pour pouvoir livrer des conteneurs, empoter de la marchandise, que ce soit des grumes ou des marchandises diverses, et grâce à nos réseaux maritimes régionaux et internationaux, transporter les marchandises vers ces zones et en sortie de ces zones dans le monde entier ou partout où les gens installés sur ces zones, les industries, pourront exporter ou importer. Le groupe SEMA-CGM est représenté au Congo par une agence Delmas Congo basée à Pointe-Noire.